Allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que je filme une vidéo où est-ce que j'ouvre vos Snapchat. Je vais essayer d'enregistrer l'écran et de le mettre ici. J'ai une application et tout, fait qu'en espérant que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug et que les voix ne soient pas au ralenti ou quoi que ce soit, on va espérer que ça fonctionne. Puis sinon, je vais commencer sans plus tarder, je vais en ouvrir vraiment le plus que je peux. Allons-y, allons-y, j'en ai vraiment beaucoup comme vous pouvez voir, des vidéos et des photos, j'aime vraiment les vidéos. Fait qu'on va commencer par Molly Love 03. Merci beaucoup Molly, c'est fou gentil pour vrai, c'est des commentaires comme ça qui me font réaliser que tu vas avoir un impact sur vous. Oh mon dieu, il y a donc ben un gros coup de soleil. Mais merci beaucoup pour vrai, c'est vraiment fou gentil. Oh, c'est trop excitant. Marilou 1, 2, 3. Oh, je me rappelle de toi. Oh, je t'aime fou aussi, je me rappelle Marilou m'avait envoyé une belle lettre. Avec une photo d'elle et tout là, pour vrai. Merci beaucoup Marilou, t'es full cute. Meg XXX. T'es la meilleure, Jess. Oh, c'est trop cute. Moi, j'aime vraiment ça vous répondre. Dès que vous m'envoyez des snapshots en passant, je vous réponds, c'est sûr, si je me sens visée. Fait que, on va faire ça à l'instant, gang. C'est tellement malaisant, j'ai comme vous, puis j'ai comme mon ordi pour voir si ça l'enregistre puis tout. C'est vraiment malaisant. Yeah! Oh my god! Genre, je sens que même si la vidéo va être trop longue, je vais comme quand même toutes les ouvrir puis vous répondre. C'est trop excitant. Rose 29 Marie. Oh, je t'aime full beaucoup, fille! Si je pouvais être quelqu'un pendant 24 heures, ça c'est vraiment une très bonne question, sincèrement. C'est vraiment bizarre à dire, mais je pense que je serais comme dans la peau d'un itinérant ou comme quelqu'un dans une situation plus difficile que moi. Je l'ai comme ça me ferait réaliser comme quoi je suis vraiment chanceuse dans la vie, comme quoi j'ai un logement, j'ai la nourriture et tout. Fait que, ouais, je pense que j'aimerais vraiment faire ça. Maya Jade Labelle. Plus tard, veux-tu des enfants et combien? Oui, j'en veux. J'ai toujours voulu en avoir trois. Puis dans ma famille, c'est comme une génération que du côté de ma mère, il y a eu beaucoup de jumeaux et de jumelles. Puis ça donne que souvent ça skip une génération. Puis ça donne que ça serait mon tour d'avoir des jumeaux ou des jumelles. Fait que je me suis toujours dit j'aimerais avoir deux jumeaux, donc deux garçons puis une fille aussi. Dia 31. Oh, 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 mon dieu, ça bug, ça bug, ça bug. Je pense qu'elle m'a demandé... Ok, elle m'a demandé où est-ce que je me verrais dans 10 ans, puis où est-ce que j'aimerais habiter. J'ai mentionné plusieurs fois, mais moi, San Francisco, c'est vraiment une place que j'ai vraiment adorée quand j'ai visité. Puis c'est vraiment une place que je me verrais habiter. Sinon, oh mon dieu, c'est quoi l'autre question? Oh oui, je me vois où dans 10 ans? J'ai vraiment une mémoire à court terme, comme vous pouvez voir. Dans 10 ans, ça veut dire que j'aurais presque 32 ans, pardon. J'aimerais ça avoir une maison, des enfants, un chum, un copain de vie si on veut. Puis j'aimerais ça sentir que j'ai aidé les gens, comme la génération plus jeune. Fait que ouais, ça serait vraiment là que je me verrais. Puis je veux juste vraiment être heureuse, c'est vraiment mon but dans la vie. Mes garants. Ma youtubeuse préf, quelle est ta marque de maquillage de pharmacie préférée? Oh, c'est fou gentil, merci! T'as l'air full belle, Corinne! Ma marque de maquillage préférée en pharmacie, je pense que ce serait L'Oréal. Maureen 18404, pardon. Qu'est-ce que tu aimes le plus de faire des vidéos sur YouTube? Merci beaucoup pour ta question. En gros, qu'est-ce qui me plaît vraiment le plus de faire des vidéos sur YouTube? C'est vraiment d'échanger avec vous, je pense. C'est de faire une vidéo, puis quand vous commentez dans les commentaires, pour vrai, quand vous m'envoyez des messages, c'est vraiment ce que j'aime le plus parce que j'ai l'impression de faire une différence. J'ai l'impression de, même si c'est juste vous conseiller un produit, là, genre ça me fait plaisir, mais surtout de parler des sujets comme je fais plus récemment. Je pense que vous avez remarqué, là, je m'éloigne un petit peu de la beauté. Je pense pas effacer complètement cet aspect-là de ma chaîne parce que c'est sûr que, tu sais, je suis quand même cosméticienne. Sauf que j'aimerais ça faire des vidéos plus souvent sur des sujets plus sérieux, comme j'ai fait dans mes dernières vidéos, je crois. Donc, si c'est pas vu encore, je vous mettrai les liens en bas d'informations. Mika Noël me demande, je voulais savoir, c'est quand tu envisages de faire un meet-up?
Bonne nouvelle, mais comme vous le savez, je retourne en Gaspésie cet été pour 2 semaines. Je vais être là les 2 dernières de juillet et j'y vais avec mon ex-copain Alexis, que vous connaissez. Je sais que c'est vraiment étrange, mais on n'est plus ensemble, sauf que on avait planifié ces vacances-là depuis un petit bout de temps, puis on est resté en très bon terme, donc on s'est dit on va y aller quand même, hein, on s'entend bien, on se voit encore de temps en temps comme amis, puis tout va bien. Je voulais justement savoir où est-ce que vous habitez dans la région de la Gaspésie, ça peut être comme plus proche de Rimouski. En tout cas, dites-moi où est-ce que vous habitez, puis les endroits qui vont être le plus populaires. Je risque de faire quelques arrêts, même si c'est pour rencontrer 2 personnes, genre 20 personnes, là, je vais y aller, j'ai vraiment le goût de vous rencontrer, c'est quelque chose que j'adore faire. Fait que laissez-moi aussi savoir en bas de commentaires pour vrai où est-ce que vous êtes. Puis je vais vraiment vous tenir au courant, je risque de faire des événements sur Facebook justement pour voir qu'est-ce qui va pogner le plus. Donc restez vraiment au courant, puis justement suivez-moi sur Facebook parce que c'est sûrement là que je vais faire le plus d'updates. Si vous avez aimé ça pour vrai, je pourrais quasiment faire genre, tu sais, j'ai tout le temps ma vidéo par semaine, mais si vous aimeriez que je vous rajoute une vidéo comme ça, j'ouvre vos Snapchat à chaque semaine, pour vrai j'aimerais trop ça parce que c'est comme une mini foire aux questions rapides. Je vais essayer de les faire moins longues les prochaines fois parce que là je sais pas trop ça va ressembler à quoi. Je vais essayer de commencer ça le plus possible, mais je préfère comme un petit 5 minutes de jour vos Snapchat dans les semaines à suivre. Une fois par semaine, des stories à jour. Mon dieu, vous avez plein de choses à m'écrire en commentaire, là, je vous ai posé comme plein de questions, je m'en rappelle même plus c'est quoi. Fait que bref, là-dessus je vous laisse, merci beaucoup d'avoir écouté, je vous embrasse fort fort fort, puis on se revoit très bientôt, bye!